Je suis Mathilde Baudy et je suis co-autrice et illustratrice des Petits Illustrés de l'Intimité. Je suis professeure d'art appliqué également et je suis maman de deux petites filles de 4 et 7 ans. Bonjour, moi je m'appelle Tiffaine Dieumegard, je suis sage-femme depuis bientôt 13 ans. J'ai trois petites filles qui ont 8, 6 et 4 ans. Et je suis aussi membre du planning familial. Je pense que comme tous les parents, on a été confrontés aux questions de nos enfants et on n'a pas trouvé de support qui nous convenait pour leur parler de leur intimité et de leur anatomie. Et Tiffaine étant sage-femme et moi je suis professeure d'art appliqué et donc je sais dessiner, Tiffaine m'a lancé le défi de dire ce livre, le livre qu'on rêve n'existe pas, on le fait. Voilà, donc on s'est lancé toutes les deux sans s'être jamais rencontrées. Ça, c'est quand même assez fou. On ne pensait pas aller voir un banquier en lui disant « on a créé un livre sur le sexe et on voudrait être financé ». Donc on s'est vraiment lancé dans la campagne nulle parce qu'on n'avait pas trouvé d'éditeur. En fait, on avait pendant à peu près un an et demi, on a fait notre livre. Enfin, on a écrit, on a fait les illustrations qu'on a envoyées à des maisons d'édition. Et on n'a eu aucune réponse. Donc on ne s'est pas démonté. Tiffaine boostait à fond. Et du coup, elle dit on se l'auto-édite, on passe par un système de financement participatif. Et on fait notre livre quand même parce que nous, on y croit, parce que nous, on en a besoin. Et on s'est lancé. Il fallait qu'on en vende 550 pour rentrer dans nos frais, en gros. Et puis, en fait, ça s'est emballé sur Ulule. Il y a des tonnes de personnes qui ont dit « mais c'est super, c'est une super idée ». Et donc, ça a très bien marché. On a une maison d'édition qui est venue après. On va taire le nom de la maison d'édition. et qui nous a... qui était intéressée pour acheter les droits, mais à condition de rhabiller les enfants, à condition de changer 2-3 trucs. Et nous, on n'était pas prêtes à faire ce genre de concession. Donc, on a gardé notre bébé pour nous et on a pu tout choisir. On a édité et on a choisi tout de A à Z, la façon dont on voulait imprimer, tout. On fait tout nous-mêmes, donc on a juste un distributeur, mais la campagne Ulule, donc il a fallu envoyer, la première campagne Ulule, il a fallu envoyer à peu près 2200 livres. Toute la partie gestion, répondre à des mails, en renvoyer des livres, les livres qui se perdent, enfin la gestion est quand même hyper complexe. Et pour le deuxième tome, il a fallu en envoyer 4000, les livres qui nous reviennent, les adresses mal remplies, enfin ça prend énormément de temps. On a chacune un boulot, une famille à côté, c'est très très prenant. Mais c'est super intéressant parce qu'on a vu toute la partie, en gardant notre livre, on a vu toute la partie création du livre. Enfin, on écrit, on imprime, donc on va rencontrer des imprimeurs, on choisit notre imprimeur, on choisit notre papier, on a fait tout de A à Z. Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu du livre, j'ai découvert plein de choses, c'est hyper intéressant et hyper valorisant. Enfin, on voulait vraiment un livre made in France, fait en France et avec du beau papier, enfin vraiment on a pu tout choisir. Ça c'est vraiment génial, grâce au fait qu'on garde notre livre et qu'on ait créé une maison d'édition, je trouve ça juste génial. Et ça nous permet aussi de répartir l'argent qui vient des ventes de façon plus équitable, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne un auteur il touche 8% du prix du livre. Nous on est plutôt 8% répartis sur les différents auteurs, donc ça peut faire, si on est à égalité, 4% chacun, ce qui n'est pas beaucoup sur le prix d'un livre. Et nous, en passant par le financement participatif, on a pu se fixer deux pourcentages. Quand on vend en propre, on a 54% du prix du livre qui est pour nous, ce qui est rien à voir. Et quand on vend en librairie, c'est 24%, ce qui est aussi rien à voir, divisé par deux. Donc voilà, ça nous permet de mieux nous rémunérer, d'être plus libre. C'est vraiment c'est du travail, mais c'est aussi hyper gratifiant et on est très, très contente de ce choix. Moi, j'ai mon compagnon qui est auteur de bande dessinée et je sais que de l'édition, quand on est auteur, on n'en vit pas bien. Donc je suis sage-femme depuis
bientôt 13 ans. Et donc, je suis une des autrices. Enfin, avec Mathilde, moi, je suis plutôt du côté scientifique. Et puis après, on réécrit avec Mathilde des passages. Quand c'est un peu trop scientifique, on essaie de les amener dans quelque chose de plus, vu que c'est un livre pour les enfants, de plus adapté pour les enfants. Donc moi, c'est... Et puis après, au niveau des illustrations, Mathilde me demande si ça c'est bien illustré, si ça, ça convient, au niveau des planches anatomiques. Voilà, on est vraiment... On a un binôme qui marche très, très bien avec Mathilde. Moi, je suis co-autrice, donc j'écris avec Tiphaine. C'est vraiment, comme elle disait, c'est vraiment un ping-pong, en fait. On se renvoie la balle au niveau de l'écriture. Elle, plutôt sur le côté scientifique, moi, plutôt sur le côté vulgarisation. Je suis professeure en lycée professionnel, donc j'ai l'habitude de reformuler pour simplifier, etc. Puis toutes les deux, on arrive bien à se... Il y a une belle émulation et on arrive bien à faire des phrases qui nous semblent simples et percutantes et qui disent les choses sans occulter des éléments ou sans être trop renfermante. Voilà, on a essayé vraiment de tourner le livre pour être le plus ouvert possible. Et je suis aussi l'illustratrice et aussi... C'est la maquettiste et aussi l'administratrice. C'est moi qui fais les factures. Vu que c'est un livre pour les enfants, je pense que c'est il fallait qu'on... Nous, on voulait mettre tous les mots. Tous les mots, on ne voulait pas appeler ZZ. On voulait vraiment mettre les mots clitoris, vagin. Pour éviter de perdre des enfants, donc on voulait vraiment des phrases courtes. On voulait aussi que ça soit très lisible. Donc on voulait... C'est pour ça que notre livre est monté. On a l'explication en face, on a la planche anatomique. On voulait vraiment que ça soit... voilà, on a tout sur la double page. On veut que ça soit très clair. Donc je pense que ça a été un petit peu ça, la difficulté. Et puis après, la difficulté aussi, c'est que Mathilde et moi, on habite vraiment à l'opposé. Mais heureusement qu'il y a Internet, heureusement parce qu'on a fait ça vraiment pendant le confinement, pendant l'épidémie, et donc heureusement on a des bons moyens avec Mathilde pour travailler. Pour les illustrations, on a vraiment fait le choix de faire des personnages qui soient réalistes. C'est vrai que sur ce qui existe, sur l'intimité, sur tout ce qui est un peu santé sexuelle, on a tendance pour les enfants à faire des bonhommes très, très cartoon, avec des grosses têtes, des couettes, etc. Et nous, on avait envie de faire des dessins en fait, dans lesquels les enfants puissent se reconnaître pour de vrai, donc réalistes, avec toutes les couleurs de peau, toutes les morphologies, tous les styles, longueurs de cheveux, etc. C'était hyper important pour nous d'être aussi inclusif dans le dessin, d'être à la fois vrai, réaliste, mais en même temps poétique, et de faire quelque chose qui ne soit pas cru, qui soit doux. Se connaître, ça implique respecter l'autre aussi, parce qu'on le connaît, on connaît ses difficultés, on connaît comment il est fait. Donc ça permet de le respecter tout simplement. Effectivement, il n'y a pas de tabou à avoir. On a 10 doigts, ils ont tous des noms, on a un sexe, et ce sexe, il a différentes parties qu'il faut apprendre, la vulve, le vagin, et ce n'est pas des gros mots en fait. Donc c'est tout naturel qu'un enfant, il faut lui dire... Tu as un sexe, tu as un clitoris, tu as des grandes lèvres. Moi, je vois beaucoup de jeunes parents arriver, de jeunes filles arriver en consultation et ne pas savoir nommer son anatomie. Moi, je me dis, ils savent nommer une épaule, et quand elles viennent aux urgences gynécologiques, elles vont me dire, j'ai mal en bas. Ben, moi, en bas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a différentes parties, et si on a mal au vagin, et si on a mal au clitoris, ou si on a mal au niveau des grandes lèvres, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Donc, je pense que c'est très important de savoir comment on est fait, tout simplement. Et puis, comment est fait l'autre aussi, parce que on va se connaître, mais connaître l'autre, ça peut être... C'est très important aussi. Et puis, au niveau... On a le label de la chaire de santé sexuelle de l'UNESCO, qu'on remercie beaucoup. Et ils disent bien qu'à partir de 3 ans, en fait, un enfant doit savoir comment est... Parce que son anatomie, son intimité, c'est à lui. Et doit savoir le consentement, en fait, savoir dire non. En fait, ça, c'est ma partie intime et c'est à moi. Voilà, ça, c'est marqué dès 3 ans, en fait. Et puis, il faut savoir aussi que au niveau de l'école, donc la première sphère, enfin... d'information, c'est la famille, donc c'est là où les enfants vont pouvoir trouver des informations. Après, il y a une deuxième sphère d'information, c'est l'école, et là aussi il y a normalement de l'éducation à la santé sexuelle.
On a d'autres projets. On aimerait étoffer les guides des petits illustrés avec deux autres tomes. Donc un tome 3 qui serait sur les conceptions, les parentalités, la famille, etc. Adoption, gémellité, etc. Toujours dans le même esprit, à la fois le fonctionnement, l'anatomie, etc., le côté scientifique, et à la fois sur le côté sociologique, c'est quoi la famille, c'est quoi devenir parent, etc. Et un tome 4, plutôt sur tout ce qui va être pour les plus grands, le consentement plus poussé, l'amour, le désir, la sexualité, voilà, tout ce qui tourne autour des questionnements qu'on peut avoir autour de l'intimité, mais plus âgée. À l'école, en fait, on a l'éducation à la santé sexuelle. C'est 3 heures imparties normalement dans l'année où les professeurs doivent parler justement de consentement, de comment on est fabriqué, de l'anatomie et plein de questions de ce genre. C'est très important de parler d'intimité assez tôt aux enfants. En fait, nous, on a souvent des réticences d'adultes qui viennent voilà, de notre construction, mais les enfants, eux, sont très curieux de savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils sont faits. Ça fait partie de l'apprentissage en fait, de son propre corps. Et c'est important de savoir en fait, comment on est fait, d'abord pour pouvoir se protéger, savoir que ce que c'est que le consentement, savoir qu'on a le droit, que son sexe, il est à soi, quel que soit, qu'il a le droit d'y toucher, voilà, en fait, il faut qu'on arrête de mettre nos tabous d'adultes et nos histoires d'adultes sur les enfants, parce qu'eux, ils sont très... c'est un questionnement très naturel. Il découvre un bébé quand il découvre ses pieds, bon, il n'arrête pas de les toucher. C'est ce qui aussi va lui permettre de marcher après. Et dans son développement, c'est normal qu'à un moment donné, il découvre son sexe, il découvre comment il est fait. C'est aussi ce qui va lui apprendre la continence, voilà, qui va lui apprendre aussi ce que c'est que l'intimité, les choses qu'il peut faire en public, les choses qu'il ne peut pas faire en public. Et en fait, c'est hyper important qu'on parle de ça avec les enfants parce que c'est tout ce qui est tu devient un tabou en fait et le fait de ne pas parler de ces choses-là implicitement ça induit que c'est sale que ça ne se fait pas alors qu'en fait c'est très important pour après avoir une vie adulte saine, safe, équilibrée autour de l'intimité.